Les amis, regardez. Mince, je pense qu'ils ont fait le tour de la maison. Il faut que j'aille voir les filles. Oh là là, j'ai pris la caméra vite fait comme ça. Lily Rose, Massilia. Ouais. Oh là là, il y a des abonnés qui sont rentrés dans la maison, je pense. Quoi, c'est une blague? Je les ai vus devant, ils ont sonné. C'est vrai? Ah ouais, non mais là, Massilia, t'as raison d'être choquée là. En fait, il y a des abonnés, je les ai vus, ils ont sonné à la porte, ils ont dit elle est où Massilia, elle est où Lily Rose, elle est où Camilia, tout ça. Et quand ils m'ont vu, quand elles m'ont vu à la fenêtre, ils ont crié ah, c'est Esteban non. Et tout. Elles nous cherchent. C'est vrai? Enfin d'ailleurs, j'ai vu que des filles, à mon avis, il y avait aussi des garçons, parce qu'il y avait, au moins 5 abonnés. Cinq. Au moins, peut-être qu'il y en avait 10 et tout, c'est n'importe quoi. Il faut fermer toutes les... Vas-y, ferme. Vite, 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 allez, ferme. Allez, on ferme ça, Lyros ferme le volet, tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai reçu un message sur Instagram cette nuit. C'est bon, c'est bien. Là. Cette nuit, j'ai reçu un message sur Instagram qui disait « Ouais, on est des abonnés, à chaque fois vous faites des vidéos sur les pop-it, vous voulez pas nous en donner, tout ça, on va venir les chercher. » Et à mon avis... Mais non, il faut cacher nos pop-it aussi, alors. C'est pas grave, il y a le volet. Non, mais c'est pas grave, mais il y a le volet. Ils vont pas pouvoir rentrer. Mais vite, j'ai même pas fermé la porte d'entrée. Vite, alors. Vite, viens, 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 viens. Je vais fermer la fenêtre. Ouais, ouais, ferme la fenêtre de la chambre de tes parents. Oh, j'espère qu'ils vont rien prendre. C'est bon. Ah, c'est bon. Ils ont rien pris. Si, regarde. Attends, il y en avait beaucoup plus. Le temps qu'on... Oh, là, c'est encore ouvert. Oh non, c'est à mon avis, ils sont rentrés par là. Attends. Vite, vite, on ferme. On ferme. Et c'est quoi ça? Attends, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est ce truc? Tout ça? Ils sont cachés en dessous ou quoi? Non, il y a personne. Non, c'est peut-être une cabane que Camélia a faite, tout ça. Non mais vite, il faut qu'on aille dehors pour voir où ils se cachent. Okay. Parce qu'il faut prévenir la police tout de suite. Allez, attends, on va sortir par là. Il faut d'abord récupérer Massilia. Je vais pas la laisser toute seule. Massilia, tu viens? C'est bon. Allez, viens. Viens, viens, on va dans le jardin. On va essayer de les faire bouger d'ici. Ouais, allez. Il faut pas qu'ils restent ici. Attends, là aussi, c'est ouvert. C'est totalement interdit. Ouais, mais ils vont pas rentrer par là. Après, c'est le vide. Allez, viens, on y va. On passe par là. On passe par là discrètement. Et on va voir, ok? Parce qu'à mon avis, ils se sont cachés dans le jardin. Et comme c'est aussi tes abonnés, voilà, ce qu'on va faire, j'ai une technique. Vous allez prendre des photos avec eux. Ouais. On va être contents. Et on va leur demander de partir, ok? Ok, d'accord. Allez, vite, on y va. C'est parti. Allez, let's go. On sait que vous êtes là. Allez, venez. Venez, venez, vite, les filles. Il faut que ça se termine le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Cam, Cam, t'es là. Qu'est-ce que tu fais là, Cam, Cam? Reste pas là, il y a des abonnés qui sont rentrés dans la maison. Bon, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. On va la laisser là pour l'instant. Elle mange. Et comme elle a un fort caractère, à mon avis, s'il y a des abonnés qui veulent faire des problèmes, elle va vite leur dire. Bon, ils sont pas ici. À mon avis, ils se sont cachés dans la maison. Ils ont dû voir qu'on a fait des cache-cache. Ils connaissent toutes les cachettes de la maison. Mais ouais, c'est sûr. Tu t'en as vu un? Allez, c'est parti. Où ça? Il est passé, monsieur. Tu l'as vu passer? Oui. Ouais, bah ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Hein. Ouais, ouais, ça m'étonne pas qu'elle l'ait vu passer. Attends, attends. Mince. Ils ont fermé la porte. Quoi? C'est une blague ou quoi? Il y avait la clé sur la porte. Vas-y, pousse la porte. Ah non, on peut pas. Il va falloir rentrer par autre part et comme on a tout fermé... Oh là là... Ils ont réussi à... Il y a juste la chambre de Peppa Pig. Ils ont réussi à nous virer de notre propre villa. Oh, mais j'y crois pas. Là, c'est fermé aussi. Ah, ils ont bien fermé, ils ont bien tout fermé. Bon. Dis-moi si t'en vois passer. Comment ça? Il y en a un là-bas, regarde. Où ça? Là. Caché derrière. On voit rien avec le soleil. Allez, on va essayer de passer. On va essayer de passer par là. Ouais. Vite, 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 on va essayer de passer par là. Peut-être que là, ils ont pas fermé la cuisine. C'est bon, c'est ouvert. Vas-y, viens. Vas-y, passe. Passe. Appelle Lily Rose aussi. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Heureusement qu'ils ont pas fermé la cuisine. Oui. Ils ont pas dû voir qu'il y avait une pièce ici. Quoique si, s'ils ont regardé les vidéos qu'on a fait avant, ils doivent tout connaître. Et oh. Ouais, mais les abonnés, ils font un cache-cache là, chez nous, carrément. Y a quelqu'un? Eh oh! On veut bien vous donner un pop-it chacun. On veut bien tout mais faire. Mais vous partez aussi. Des après. Photos, des dédicaces. Mais après vous partez. On peut pas rentrer chez les gens comme ça. Bon là les amis, c'est la grosse catastrophe. Je vous le dis, c'est la méga giga catastrophe à chaque fois. Attends, chut. C'est ton père ça? Oui. Il doit parler avec les abonnés, ouais. C'est sûr. Il a dû en trouver un. Mais il faut trouver les autres. Et les pop-it qui étaient sur le bureau. Il en reste plus que deux. Oh non, mais
C'est une grosse blague. C'est quoi ça? Il en reste plus que deux. Et il y en a un par terre aussi. Un là. Oh, c'est une blague. Il en manque plein et ils les ont tous déplacés. Allez, viens, on va dehors. On va voir si... On va voir s'ils se sont enfus avec les pop-its. Mais... J'en ai vu un passer courir. Ouais, moi aussi j'en ai vu. Avant de vous prévenir, donc je disais les amis, là à mon avis il y a le père de Massilia parce qu'il était resté pour surveiller Camilla. Il est revenu, il a dû voir un abonné, il est en train de discuter avec. À mon avis l'abonné il va pas tarder à devoir partir. Bon allez c'est parti, on va dehors. On va essayer de récupérer tous les pop-its qu'ils ont pris, etc. Non. Allez c'est parti. Allez let's go, on y va. Vas-y, ouvre-le bien, Lily Rose. Et dès qu'on peut passer en dessous, on y va parce qu'il faut se dépêcher. C'est bon. Il faut pas qu'ils prennent nos affaires comme ça sans nous prévenir. C'est pas bien du tout. Allez, on va vite. Allez. Dans une vidéo, on avait présenté une cachette secrète. Peut-être qu'ils sont partis dans la cachette. Donc, Camilla, ça va, elle est toujours là. Vas-y, oui. Dans la cachette. On va dans la cachette secrète. Oh là là. C'est dommage quand même d'avoir les abonnés comme ça. S'ils avaient juste sonné pour dire bonjour... Peut-être qu'on aurait ouvert, alors il faut surtout pas faire ça, on vient pas chez les gens comme ça. Mais bon, là, ils abusent, vraiment. Lily Rose, viens, dépêche-toi. Oui. Ah, la pienne. J'ai entendu un bruit de pas. T'as entendu un bruit de pas? Oui. Ok, super, ça veut dire qu'ils sont peut-être passés par là. Ah, je me fais attaquer par des bêtes. Oh, regarde derrière toi. Le coffre. Lily Rose. Oui. Regarde. Oui. Il y a un coffre. C'est quoi ce coffre? C'est le coffre des vidéos. Il y a des pop-its. Il y a des pop-its à l'intérieur. Vas-y, viens. Ils ont récupéré des pop-its. Et ils les ont cachés ici. Peut-être qu'ils voulaient les récupérer plus tard. Vous voulez dire qu'ils sont vraiment rentrés dans la maison? Vas-y, Lily Rose, prends le coffre. Ok. Attends, bah, Massilia, donne le coffre à Lily Rose parce qu'elle est à pieds nus. Oui. Moi, je suis à pied de choses. Merci. Ah, Camilla, elle nous suit. Ouais. Ouais, elle a dû. Camilla, t'as vu les abonnés ou pas? Non, elle les a pas vus. Ah, bah, ça va. Elle est dans son monde. C'est déjà ça, je marche sur des épines et tout. Ouais. Non, non, mais Massilia, c'est pas le moment de monter à l'arbre. Allez, viens. Ouais, y a personne, mais à mon avis, ils se sont enfuis par là. Hein. Si on les a vus passer dans la maison et tout. Bon, je vais demander au père de Massilia s'il a vu un abonné et si c'est bien à lui qu'il discutait. Allez, vite. Ça m'étonnerait pas, parce que, à mon avis, l'abonné, il a dû dire ouais, c'est Esteban qui nous a fait rentrer et il est en train de parler avec le père de Massilia au calme. Bon. En tout cas, les amis, visiblement, ils se sont tous enfuis, heureusement. Hein, parce que si on les avait vus, je pense qu'on aurait une longue discussion, parce que franchement, c'est pas sympa de faire ça. Non. En tout cas, on va rentrer. Vite, on rentre dans la maison. Rentrez dans la maison, les filles. Visiblement, ils sont partis. Désolé, il y a beaucoup de soleil, on est dans le sud. Et bah, pour une fois, ça termine bien, ce genre d'histoire. Ça m'a permis de vous montrer ça en vidéo, que ouais, des fois, il y a des trucs bizarres qui arrivent, tout ça. Et... Bah tu dis au revoir Massilia, mettez un like, cliquez sur une vidéo qui apparaît et bye bye. Ciao, bye bye.